Ouais, j'ai parlé du Gabon. Au Gabon, j'ai dit, bientôt, il y aura un renversement. Je suis en train de voir la chaise vide, c'est-à-dire le président n'est pas. C'est-à-dire il n'y a pas un président. J'ai vu la chaise vide, le trône vide pendant un moment. Vous voyez? Et j'ai vu un renversement, c'est-à-dire un renversement des situations brusques. Là, nous sommes au Gabon. C'est ce que j'ai dit, j'ai annoncé. Et d'ailleurs, ça va s'accomplir très bientôt là. Au Gabon, vous allez voir quelque chose qui va se passer au Gabon. Ça sera un renversement brusque. Du système. Du système, voilà. Okay. On est prophète de Dieu. Mais Dieu nous a donné aussi l'intelligence et la sagesse. Si vous suivez très bien la vidéo qui est en ligne, le prophète Fulgence n'a pas dit Tibi Joshua va mourir. Le Seigneur, il est temps. Je suis en train de voir comme un lavage. Dieu est en train de remplacer beaucoup de têtes. Ainsi me parle le Seigneur. Beaucoup de têtes vont tomber. Beaucoup de gens vont disparaître. Vous laissez la place à la nouvelle génération. Que ce soit dans le monde politique. Que ce soit dans le monde spirituel. Beaucoup de noms qu'on a connus. Ces noms vont disparaître. Donc pour parler de l'histoire du Nigeria, j'ai dit, quand j'ai commencé à prophétiser sur le Nigeria, j'ai dit, j'ai vu un homme de Dieu. J'ai vu un scandale au Nigeria. J'ai vu un homme de Dieu être accusé de mystique. J'ai dit, la plupart de noms que vous avez connus vont disparaître. Vous avez parlé de la disparition, effectivement. Voilà. Que ce soit dans le monde spirituel. Beaucoup de noms qu'on a connus. J'ai dit, je voyais beaucoup de têtes tomber. Quand on te dit que ta tête tombera, on parle de quoi? De la mort, bien sûr. De la mort, bien sûr. Aussi me parle le Seigneur. Beaucoup de têtes vont tomber. Aussi me parle le Seigneur. Beaucoup de têtes vont tomber. Vous comprenez? Donc, je parlais de la mort. Et puis, ce n'est pas seulement Tibi Joshua. Je vis beaucoup de hommes de Dieu mourir et laisser la place à la génération montante. Parce que peut-être vous ne le savez pas, la mort de Tibi Joshua va séparer l'église du Nigeria. Là, nous parlons maintenant du scandale. Du scandale. Je suis en train de voir. Non, moi, non. Je suis en train de voir au Nigeria. Dans le Nigeria. Il y aura un scandale qui va se passer au Nigeria. Ça va toucher l'église. Et si ma ecclésia. Ça va toucher l'église. Et si ma ecclésia. Ça sera un scandale. Je l'ai dit devant le Dieu que je sers, les gens qui sont tout autour de moi savaient que le prophète Tibi Joshua allait partir. Mais je ne pouvais pas venir à la télé et dire. Voilà, il y a ça. Il y a des saisons. Si cette vidéo a réapparu sur la surface, c'est pour vous dire de prier pour l'église du Christ au Nigeria. Parce que cette église sera séparée en deux. La mort de Tibi Joshua va séparer l'église. Il y a des gens qui seront pour lui et il y aura un camp qui l'accusera d'être féticheur, d'être tout sataniste. Et puis, je suis en train de voir. Non, moi, non. Je suis en train de voir au Nigeria. Dans le Nigeria. Il y aura un scandale qui va se passer au Nigeria. Ça va toucher l'église. Et si ma ecclésia. Ça va toucher l'église. Et si ma ecclésia. Ça sera un scandale. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer à l'église du Nigeria. Les scandales vont se suivre. Les scandales dont je parlais, je n'ai pas parlé du scandale avant la mort de Tibi Joshua, mais après la mort de Tibi Joshua.
Mandela, la pétrolière, voyez ma que, et il y a une idéologie à Sika. Donc, ceux qui papa, non maman, avali kopela, awa na kate bakini, komi tungisate ya koti naka mbongo na kini, kaka ceux qui ont bengi, la numéro oyo, osa mobimba, de koyo na kini, a kozwa se de santé, gratuitement. La clinique Misunga, ma jelibino, wifi a opéré, surtout que ma valise à internet, au débit. Donc, ceux qui ne connaissent pas, avali kopela, au lingi, oyeba, état de santé na ye, ou koki kopela ye, sale koukouma, on soit à ta interférence dans la. Maman, bonne santé. La bonne idée. Ceux qui ne connaissent pas, à occasion, et à cause de ma soin, la mitolité Misunga, yeba ke. Kuna na tomo osamo bimba na petite déjeuner pe na pokwa yeba ke pa divé etali pe na pointe po okolia okondima teke otali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier teste oculaire. Donc osamo bimba ke na mitole Misunga ekosala ke Misunga yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali pe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batraite ka pe cataract yeba ke okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya niyo Misunga ta santé sikani tala na clinique Misunga oyo ya grâce Mandela la pétrolière estembe ezali ezate. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous cultivez sur votre chaîne d'attache NTV, nouvelle tendance télévision, tous les coups sont permis, sauf les ingères. Voilà, nous vous présentons cette émission, bien sûr, dans de très bonnes conditions, puisque à la prise de vue, vous avez, ça arrive Mala, la réalisation, comme d'habitude, le 2, au four et au moulin, Jonas Zouzi, accompagné des Jordan Panzou, notre chef. Donc, c'est avec cette équipe que nous allons travailler, clin d'œil spécial également à Winner qui nous assiste. Rachel Mokonzi également qui nous assiste. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Certains ont choisi de nous suivre la nuit. Un bon nombre des gens également nous regardent pendant le jour. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Continuez toujours à nous faire confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement sur votre chaîne. Il suffit tout simplement de toucher sur le bouton où c'est écrit en rouge. S'abonner, touche une fois, va à côté, tu verras une cloche. Touche sur la cloche, tu verras toute notification. Touche sur toute notification et voilà, tu fais partie de nos abonnés et cela nous fera énormément plaisir. On ne garde pas cette vidéo pour toi. Au contraire, fais le maximum de partage avec un bon nombre de gens qui se trouvent dans votre répertoire et ça nous fera énormément plaisir. Alors, nous allons prendre les premières images. C'est l'orphelinat, famille du cœur Christ Rédempteur, une partie de la fondation d'Elle au cœur de la nation, bien sûr, dirigée par notre... Maman Marie M5 depuis Liège. Vous pouvez soutenir également l'orphelinat et cela nous fera énormément plaisir. Question tout simplement de mettre ses enfants dans de très bonnes conditions et Dieu va vous bénir. Suivons les images et on se retrouve tout juste après. Suivons. Entre la République démocratique du Congo face à cette équipe de Niger. Bonsoir, bonjour. Comme vous n'avez pas de délivrance, vous êtes un journaliste sportif. Je vous remercie, monsieur Alain Dele, la fondation, la Yemunene, Alain Dele, Oya Sungakaba, Oyo Bazanga, Nako Senga Nabatu, Oyo Nyonso, Bazamo Tema Malamba Lunga Kosunga Bani. Ba soutenir la fondation Alain Dele, ba meka pe ko sunga bato bazanga soki batumi bale to misatu bazana Congo lokola monsieur Alain Dele to ko tombola Congo na biso tanton lobby tozo luka bat o ba ko soutenir Congo na remercier monsieur Alain Dele na fondation na ye mutu ayeba koza ayeba kapasi o bato bazanga akabila bino pe bato bozana mutema malambo meka kosunga bato bazanga chan 2020 Moussa il trouve qui les bancs par les congolais inonga banka indumba et ça c'est toujours ça passe en côté. Merci nzambe asunga monsieur Alende na fondation. Merci. De retour sur ce plateau, vous avez suivi les images de l'orphelinat et de la fondation également. Alors nous attendons votre signal. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu que vous connaissez d'ailleurs très bien, un habitué de ce plateau et quelqu'un qui parle bien, qui a sa manière également de communiquer, des natures doux déjà, comme les gens toujours disent, qui Azala vraiment, tout le monde est Kimia et tout, tout. Donc, vous savez déjà de qui est-ce qu'il s'agit. On l'appelle le prophète Paul Fulgence Nkoussou, c'est lui qui dirige
l'église Emmanuel Rafachetch, également le visionnaire de MPD, ministère La Main Puissante de Dieu, alors qui est déjà très très visible aussi, qui a organisé plusieurs actions, notamment et le 3 sessions de l'école de guérison. Donc après cela, nous allons aussi vous communiquer encore d'autres programmes en ce qui concerne sa vision et tout ce qu'il est en train de faire, bien sûr. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour, homme de Dieu, et bienvenue. Bonjour, papa Alain Dédé. La santé, ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Très, très recherché, très, très recherché. Les gens ont besoin de vous entendre, les gens ont besoin de vous écouter. Où est parti le prophète? Il est là, il a dit, Dieu a accompli, nous avons vu cela se réaliser. Du coup, sinon, vous vous sentez quand même à l'aise lorsque une prophétie Dieu passe par vous pour avertir ou de passer un message, et du coup, l'accomplissement, lorsque ça arrive, vous sentez comment? Bon, comme je l'ai toujours dit, je me sens responsable. Je me sens responsable, je me sens pas saint, pas parfait, mais je me sens favorisé, c'est-à-dire Dieu est passé par moi parce qu'il a plu à Dieu de passer par moi. Donc, je dis juste merci à Dieu pour ça, et de passer par moi comme il l'a fait pour tant d'autres. Je ne suis pas le seul. Permettez à ce que nous puissions évoluer mot à mot, okay, doucement, afin que les gens puissent très bien comprendre les choses. Alors, vous avez beaucoup prophétisé et nous avons vu cela s'accomplir également. Vous avez déjà été contacté par les autorités ou bien jusque-là non? Parce que c'est une question que les gens posent. Papa Alain, Batoua Benka a prophété. Prophète, est-ce que Batoua Benki est ou comment? Bon, je vais aussi éclairer ça. Mm-hmm. Je n'ai pas besoin d'être contacté par les autorités. Mm-hmm. Je veux vraiment que les gens comprennent. Parce que l'émission passée, c'était genre, je pleurais. Je me plaignais que le président, je veux voir le président. Non, mon problème, c'est une responsabilité que tout le monde peut avoir étant humain. Mon plus grand problème est que le message arrive à destination. Vous voyez, même si la personne, le porteur du message dira que c'est à lui que Dieu a dit, c'est pas un problème, mais l'essentiel est que le message arrive. Parce que quand le message n'arrive pas, étant prophète, la Bible dit « Toi, parle ». Moi, je parlais et n'ont pas écouté, les gens sont morts. Étant prophète, je peux dire « Ce n'est pas mon problème ». Mais étant Congolais, c'est mon problème parce que les gens qui sont morts, c'est mon peuple. Mm-hmm. Vous voyez, c'est mon sang. Et c'est ce qui fait que je sois révolté. Mais pourquoi ces gens ne m'écoutent pas? Pourquoi ces gens n'écoutent pas l'ainsi dit le Seigneur? Parce qu'il y a des gens qui me disent, prophète, toi limite-toi à libérer les messages. Ceux qui baroyo kabayo, qui se baroyo kate bayo kite. C'est bien bon. Mais les soucis que vous avez en vous, c'est le sens patriotique. Voilà, c'est le sens patriotique. Tu vois, c'est comme si on te disait, papa Alain Nélé, tu sais que Jordan va mourir demain. Et tu as la possibilité d'aider Jordan. Tu ne l'aides pas. Et demain, tu apprends que Jordan est mort. Tu vas te sentir comment? Très coupable et puis très coupable et quelque chargé part. D'ailleurs par... Voilà, voilà, c'est ces soucis-là que j'ai. Ce n'est pas le souci de rencontrer le chef. Déjà, bibliquement parlant, le prophète et les rois n'ont jamais été amis. Donc, je ne serai pas le premier prophète à être ami du roi parce que je ne le souhaite pas. Je fais juste mon travail. Et si aujourd'hui, je le fais sur les réseaux sociaux, je viens... J'annonce des choses sur les réseaux sociaux, c'est parce que je n'ai pas d'autre moyen sûr d'atteindre nos autorités. Parce que sur les réseaux sociaux, si lui-même ne suit pas, sa sœur va suivre. Si sa sœur ne suit pas, l'ami de sa sœur va suivre et va rapporter. Vous voyez, j'essaye de... Et puis, au même moment, je prends le peuple en témoin. C'est-à-dire la population est témoin que le prophète avait dit. Vous voyez, donc c'est comme ça que nous passons maintenant et sur les réseaux sociaux et parler. Mais ce n'est pas vraiment mature, s'il faut dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont de secrets internes. Il y a aussi des messages qui tiennent à la sécurité du pays, à la sécurité interne, à la sécurité nationale, qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux,
Moi, il y a des gens qui m'appellent, qui m'ont suivi chez Alain, chez papa Alain Dele, du Congo-Brazzaville, tout le pays. Je ne sais pas s'il y a un pays africain, peut-être le pays anglophone. Je n'ai pas encore reçu des appels des anglophones, mais de pays francophones, les gens m'appellent tous les jours. Et on m'appelle de partout, vraiment de partout. Et ces gens-là, s'il y a quelque chose qui est plus sécurité interne du pays, admettons que je le disais sur les réseaux sociaux, vous voyez, je ne suis pas là aussi pour exposer le pays, mais je suis là juste pour montrer le chemin et dire ce que Dieu a dit. Si Dieu n'a rien dit, je ne dirai rien. Je parle quand Dieu parle. Quand Dieu n'a pas parlé, je ne dis rien. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui m'ont appelé. Prophète, Dieu n'a toujours rien dit pour moi. Je dis, il n'a toujours rien dit. Il y a d'autres, toi, tu es vraiment prophète ou bien... Tu vois, il y a d'autres qui sont découragés, mais même si tu me donnes $1 million, si Dieu ne m'a rien dit, je ne dirai rien. Effectivement, il faut qu'il y ait la patience, voilà, et puis attendre à ce que Dieu puisse parler, parce que sinon vous allez... Je ne vais pas tomber dans ces pièges, bon débarras, c'est-à-dire tellement qu'elle m'a fait pression. Moi, je ne fais pas ça. Si ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 4 mois, ça peut prendre 5 mois, ça va prendre 5 mois. L'essentiel est que quand je te dirai quelque chose venant de Dieu, ça viendra de Dieu. Vous n'avez pas besoin de l'ainsi dit le prophète Fulgence, vous avez besoin de l'ainsi dit le Seigneur. Donc, depuis un certain temps, vos passages suscitent l'œil du curieux. Okay. Parce que beaucoup me disent, mais il est prophète, c'est vrai. Il a toujours prédit des choses, il a toujours prophétisé sur la suite des événements en République démocratique du Congo. D'ailleurs, moi, j'en suis témoin. Et seulement depuis un certain temps, il ne nage pas seulement dans la RDC. Il touche l'Afrique, il va ailleurs, dans d'autres continents. Et alors, touchons cette fois-ci l'Afrique tout d'abord. Nous allons prendre ces images. Je vous propose ces images. Ça date de plusieurs mois déjà, parce que c'était pendant le confinement. C'était en 2020. En 2020. Prenons d'abord ces images. C'était lors... il y a une activité où vous étiez... en train d'exercer pendant le confinement d'ailleurs. C'était les lives. Alors, nous allons prendre cet extrait et on se retrouve tout juste après, vous permettez? Oui. Ok, suivons. Merci. Il est temps. Je suis en train de voir comme un lavage. Dieu est en train de remplacer beaucoup de têtes. Aussi me parle le Seigneur. Beaucoup de têtes vont tomber. Beaucoup de gens vont disparaître. Pour laisser la place à la nouvelle génération. Que ce soit dans le monde politique. Que ce soit dans le monde spirituel. Beaucoup de noms qu'on a connus. Ces noms vont disparaître. L'économie ou l'air politique monte, je vois leur équipe nationale de football devenir très faible. Et qui dit ma cache? Je ne sais pas comment ça va se passer. La politique est mati, pas et je suis en train de voir. Non, moi non. Je suis en train de voir au Nigeria. Dans Nigeria. Il y aura un scandale qui va se passer au Nigeria. Nigeria. Ça va toucher l'église. Et si ma ecclesia. Ça va toucher l'église. Et si ma ecclesia. Ça sera un scandale. Et ici. Il y aura des personnes qui vont témoigner pour salir l'image. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je vois l'église du Christ au Nigeria être basculée par ses vents. Ainsi, pendant que l'économie ou l'air politique monte, je vois leur équipe nationale de football devenir très faible. Et qui dit ma cache? Je ne sais pas comment ça va se passer. La politique est mati, pas l'équité. Et je suis en train de voir. Non, moi non. Je suis en train de voir au Nigeria. Dans Nigeria. Il y aura un scandale qui va se passer au Nigeria. Nigeria. Ça va toucher l'église. Et si ma ecclesia. Ça va toucher l'église. Et si ma ecclesia. Ça sera un scandale. Ici. Il y aura des personnes qui vont témoigner. Pour salir l'image. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je vois. L'église du Christ au Nigeria est basculée par ses vents. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples.
Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous ? Pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibien-être.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Votre message a touché plusieurs pays d'Afrique, bien sûr, mais aujourd'hui, touchons d'abord ce qui concerne les Nigeria, en fait. Le Nigeria, où nous avons perdu un grand homme, d'ailleurs, déjà le prophète Tibi Joshua, ou déjà qui est connu, très très connu d'ailleurs. Et tout autour de votre message, ce message a créé quand même une polémique. Vous avez prophétisé, vous avez suivi la réaction des différentes personnes. Est-ce qu'on peut connaître votre réaction? À chaud, bien sûr. Bon, je vais d'abord dire, vous voyez, papa Alain Dele, on est prophète de Dieu. Mais Dieu nous a donné aussi l'intelligence et la sagesse. Si vous suivez très bien la vidéo qui est en ligne, le prophète Fulgence n'a pas dit « Tibi Joshua va mourir ». Vous comprenez? Et même si le Seigneur m'a montré, je donne l'exemple de n'importe quel serviteur de Dieu à Kinshasa ici, je cherche quelqu'un, l'appelé Satan de Konanga. Le pasteur David Koussou, qui est mon frère, Dieu m'a dit, le pasteur David Koussou va mourir. Ou le pasteur Arnaud Sabit, il va mourir. Admettons que je disais, je suis en train de voir le pasteur Arnaud Sabit, va mourir dans quelques temps. Après la mort du pasteur Arnaud Sabit, qu'est-ce qui va arriver? Dans un pays de droit. Il y aura poursuite judiciaire, bien sûr. Il y a un langage que les hommes de Dieu utilisent ou la Bible a toujours utilisé. Je ne peux jamais, même quand il y a eu la mort de en plusieurs années passées, quand je voyais la mort de d'un chef d'État d'ici dans notre pays, j'avais dit quoi? Je suis en train de voir un baobab tomber. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. C'est après que les gens ont dit, quand le prophète parlait du baobab, le prophète faisait allusion à X. Il en est de même pour la prophétie sur Tibi Joshua. Les gens qui sont proches à moi, je les ai dit. C'est comme Jésus, devant la foule, il parlait en parabole. Mais en privé, il parlait clairement. Il expliquait. J'ai dit, la prophétie, j'ai commencé, je crois, au Burundi. Je voyais au Burundi le nouveau gouvernement. C'était avant même la mort du président burundais. J'ai dit, je suis en train de voir un nouveau gouvernement au Burundi. Mais la plupart des personnes qui travaillent dans ces nouveaux gouvernements seront des femmes. J'ai dit, je suis en train de voir un réveil spirituel qui va commencer à Burundi.
Mais la vague viendra avec beaucoup plus de servantes de Dieu que des serviteurs de Dieu. Il y aura comme une révolte de femmes qui vont vouloir servir Dieu au Burundi. Mmh. C'est ce que je dis. Je finis le Burundi, je suis allé en Côte d'Ivoire. Mmh. Je dis au Côte d'Ivoire, le Seigneur est en train de me faire voir le nom et de marche pacifique. Ça s'est déjà passé, je crois, 3 semaines après la vidéo. Les gens marchaient à la rue, contestaient l'autorité, contestaient un pouvoir. Et c'est ce qui a été fait. Mais après cela, j'ai vu certains noms qu'on a connus dans le football, dans le football ivoirien, vouloir travailler dans le gouvernement. Ces noms-là sont allés du côté politique ivoirien. Voilà. Entre autres, on a vu la candidature de Drogba, on a vu, voilà, ce sont des choses qui sont passées, je ne suis pas passé faire de bruit pour ça, et je ne justifie pas mes prophéties, mais j'essaye d'éclairer juste l'opinion. Et après la Côte d'Ivoire, je parlais de, je crois, les Nigériens, je suis tombé sur les Nigériens. Dans Gabon, la vidéo, je parlais du Gabon. Oui. Au Gabon, j'ai dit, bientôt il y aura un renversement. Je suis en train de voir la chaise vide, c'est-à-dire le président n'est pas. C'est-à-dire il n'y a pas un président. J'ai vu la chaise vide, le trône vide pendant un moment. Vous voyez? Et j'ai vu un renversement, c'est-à-dire un renversement des situations brusques. Là, nous sommes au Gabon. C'est ce que j'ai dit, j'ai annoncé. Et d'ailleurs, ça va s'accomplir très bientôt là. Au Gabon, vous allez voir quelque chose qui va se passer au Gabon. Ça sera un renversement brusque. Du système. Du système, voilà. Okay. Du système, la chaise restera vide pendant un moment. Et puis, il y aura directement un renversement. C'est ce que j'ai parlé du Gabon. Je ne sais pas s'il y a encore un pays, je me rappelle. Le Nigeria. Et puis, je suis allé au Nigeria. La vidéo est sur ma page. C'était un live. Donc, la prédication, le prédicateur, c'était le pasteur Lodlombo. Oui. Il a prêché et après sa prédication, moi, j'ai pris le micro. C'est sur ces mêmes lives où j'ai prophétisé sur le gouvernement qui sera dissous, le gouvernement qui vient de passer, qui allait tomber. C'est sur le même live que j'ai prophétisé sur l'incendie qui a eu à Itex Africa ici. C'est sur le même live que j'ai prophétisé sur l'incendie qui a eu au Liban et tout. C'est sur le même live qu'on a vu, nous tous, au Liban, l'incendie et tout. C'est sur le même live, si je ne m'abuse pas. Vous avez aussi parlé de quelqu'un qui est influent, qui sera exposé. Sur le même live, j'ai parlé de quelqu'un de très influent. J'ai souligné très influent de ces pays qui sera traduit en justice. Et la population fera pression pour que ces dossiers soient... pour que la personne soit arrêtée ou bien pour que la justice fasse son travail. Et je crois bien, bon, je ne sais pas si on est déjà dans ça, mais je crois qu'il y a quelqu'un de très influent. Quand je parle de la personne de très influent, les gens qui m'ont approché de près, je les avais donné le nom de la personne. Un homme très influent. Être interpellé à la justice. Je répète, je vois un homme très influent être interpellé par la justice, et ces choses ne traîneront pas. On parlera justice. La population va se lever pour déclarer justice. Et je ne sais pas, mais on dirait apparemment la personne... Effectivement, c'est voilà, toi, maintenant. Je t'avais donné le nom de la personne. Oui. Donc apparemment, la personne, son nom est dans une histoire. Et je vais ouvrir ça après, et dans une histoire. Apparemment, est déjà... Et d'actualité. D'actualité, voilà. Il y a des gens qui sont avec, mais il y a un nom très influent dont je faisais mention qui sera d'actualité. La population demandera justice. Donc, je crois on n'a pas le temps, comme certains le pensent, de vouloir à tout prix être prophète. Que je ne prophétise ou que je ne prophétise pas, je suis prophète. Il y a des choses que Dieu peut me cacher, il révèle à quelqu'un d'autre. Donc, même dans la prophétie, on s'est complète. Donc, pour parler de l'histoire du Nigeria, j'ai dit,
quand j'ai commencé à prophétiser sur le Niger, j'ai dit, j'ai vu un homme de Dieu. J'ai vu un scandale au Niger. J'ai vu un homme de Dieu être accusé de mystique. Dans la même vidéo. Être accusé qui travaillait dans le mystique et tout et tout. Et j'ai dit, j'ai dit qu'il était temps. Dieu m'a dit, il est temps. Que l'ancienne génération ou les générations de noms qu'on a connus, des noms qu'on a connus dans la ville, que ce soit dans la politique et que ce soit dans les spirituels, laissent la place à la nouvelle génération. Il est temps. Je suis en train de voir comme un lavage. Dieu est en train de remplacer beaucoup de têtes. Aussi me parle le Seigneur. Beaucoup de têtes vont tomber. Beaucoup de gens vont disparaître. Vous laissez la place à la nouvelle génération. Que ce soit dans le monde politique. J'ai dit, la plupart de noms que vous avez connus vont disparaître. Vous avez parlé de la disparition, effectivement. Voilà. Que ce soit dans le monde spirituel, beaucoup de noms qu'on a connus, ces noms vont disparaître. Quand on parle de la disparition, donc, tu vois Jean-Baptiste qui dit, quand il voit Jésus, il dit, toi tu dois apparaître et que moi je disparaisse. Et c'est ce qui a été accompli. Jean-Baptiste a disparu pour laisser la place à Jésus d'apparaître. Il y a une nouvelle génération que Dieu doit élever. Pour que cette nouvelle génération prenne place, il faut que l'ancienne... J'ai dit, je voyais beaucoup de têtes tomber. Quand on te dit que ta tête tombera, on parle de quoi? De la mort, bien sûr. De la mort, bien sûr. Aussi me parle le Seigneur. Beaucoup de têtes vont tomber. Aussi me parle le Seigneur. Beaucoup de têtes vont tomber. La disparition. Disparition, têtes tombées. Jean-Baptiste a parlé de la disparition. Et puis Hérodias a demandé la tête de Jean-Baptiste. C'est un langage codé biblique. Vous comprenez? Donc je parlais de la mort. Et puis ce n'est pas seulement Tibi Joshua. Je vis beaucoup de hommes de Dieu mourir et laisser la place à la génération montante. Vous voyez, il y a aujourd'hui les gens comme de Papa Nkelani. Papa Nkelani est de quelle génération? Génération Kala. Aujourd'hui, il a 94 ans. Même il... génération avec le feu Aïdjin en bas là. Voilà, mais il est là. Papa Jacques Vernon. Ouais, il a 94 ans, il est là. Mais vous voyez, quand on parle de père, on ne parle pas. Papa Nkelani n'est pas mon père, mais il est mon pépé. Tu vois, dans le spirituel. Quand je dis la génération, je ne vois pas le pépé. Je vois les gens qui sont là maintenant. Beaucoup de têtes vont tomber. Beaucoup de noms qu'on a connus et dans le spirituel et dans la politique vont laisser la place à la nouvelle génération. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Il n'y a pas même une semaine, une tête a été tombée, un nom qu'on a connu pour laisser la place à la nouvelle génération. Il n'y a pas longtemps, hier, le prophète Tibi Joshua est parti pour laisser la place à une autre génération. Donc c'est un peu ça. Que le vous prophète parlé... Fulgence a prophétisé que Tibi Joshua va mourir ou il n'a pas prophétisé. Ce n'est pas ça qui résout le problème. Cela ne va pas ressusciter Tibi Joshua. Ce qui va ressusciter le prophète Tibi Joshua, c'est la prophétie a été donnée pour prier pour l'église des Nigeria. Parce que peut-être vous ne le savez pas, la mort de Tibi Joshua va séparer l'église du Nigeria. Là, nous parlons maintenant du scandale. Du scandale. Je suis maintenant dans le scandale. La prophétie, il ne faut pas lire la prophétie avec l'intelligence Yakibomoto. Ouais. La prophétie, dans la prophétie, il y a des choses. Il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui arrivent. C'est-à-dire, la prophétie, Jésus dit, l'ange dit, par exemple, dans, je crois, Ésaïe 7, 14. Et toi donc, la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. On lui donnera le nom de... On lui donnera le nom de quoi? On lui donnera le nom de Manuel. De Manuel qui veut dire Dieu parmi les hommes. Quand Jésus est né, l'ange est apparu à Marie. Dans Luc, l'ange dit à Marie, l'enfant s'appellera comment? Emmanuel ou Jésus? Vous comprenez? Là, on va dire quoi? Ésaïe Bétaï, prophétie Bétaï Poto. Jésus dit à la famille de Lazare, ne vous inquiétez pas, cette maladie n'amènera pas votre frère à la mort. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Et après, on appelle Jésus pour dire que Lazare était mort. Donc Jésus a Bétaï, prophétie Poto. Il y a un langage prophétique qu'il faut comprendre.
ne cherche pas à comprendre la prophétie littéralement, c'est-à-dire mot à mot. Hein? Selon l'intelligence humaine. Selon l'intelligence humaine. Okay. La prophétie, aujourd'hui, les gens, il y a un moment, avant, quand je parlais du volcan, j'ai lu quelqu'un qui dit, ah, le prophète s'est renseigné. Alors qu'on dit nos volcanologues, même eux-mêmes ne savaient pas quand est-ce que ça allait venir. Parce que, généralement, ça commence par l'odeur. L'odeur, les tremblements de terre, et après viendra l'éruption. Et je me rappelle, vous avez dit, dans quelques jours. Dans quelques jours. Là, et nos volcanologues n'étaient toujours pas informés. Pas toujours. Mais lui, il dit que vous avez suivi les informations. Je ne sais pas c'était quelle information qui avait prédit. Déjà, chez moi, je ne regarde pas la télé. De toute façon, vous m'appelez là à tout moment, je vais regarder la télé. Donc, c'est pour dire, c'est le prophète TV Joshua est mort parce qu'il a fini sa mission. Dieu a décidé à ce qu'il ne soit plus. Que le prophète Fulgence avait prophétisé ou il n'avait pas prophétisé, les gens qui sont proches de moi sauront si j'avais prophétisé ou je n'avais pas prophétisé. Il y a une sœur, d'ailleurs, je crois, elle est au Burundi. Qui m'a une fois écrit, elle m'a surnommé le TB Joshua de l'Afrique francophone. Cette sœur, elle vit à Burundi, je crois qu'elle s'appelle Alice. Elle vit au Burundi là-bas. Et la plupart des gens qui commentent mes histoires ont l'habitude de m'appeler TB Joshua. Vous comprenez, TB Joshua. TB Joshua existe. Il existait à l'époque, on m'appelait TB Joshua. TB Joshua existe. Pour que Fulgence, peut-être par exemple, fasse son temps. Il faudrait que TB Joshua disparaisse pour que Fulgence fasse son temps. Yes. Il faut comprendre le langage de Dieu. Vous comprenez? Il faudrait parce qu'il travaille dans la délivrance, la guérison, la prophétie des nations et prophétie individuelle. Pratiquement tout ce que fait TB Joshua, c'est pratiquement tout ce que Fulgence fait à Kinshasa. Mais je ne suis pas médiatisé comme lui. Il n'y a rien que TB, à part moi, je ne vends pas de l'eau. Comme on m'a dit, j'ai appris qu'il vendait de l'eau. Je n'ai jamais suivi ça. J'ai appris qu'il vendait de l'eau, il vendait des histoires. Moi, je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais. Par conviction, parce que Dieu ne m'a pas dit ça. Peut-être si lui, Dieu l'avait demandé de le faire, Waneza Marambunaï, je parle de moi. Vous comprenez? Dieu peut-être a vu, parce que déjà, si vous lisez même, si vous lisez mes séminaires que je viens d'organiser, je parle de la saison. Quand il y a une saison, j'ai dit pendant la prédication, Dieu peut illuminer quelqu'un pour te remplacer. Vous comprenez? On ne souhaite pas que Moutoumoka Koufa pour Moutoumoussou soit remplacé, mais il y a des moments où Dieu pense exposer son enfant et il prend des mesures. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens parlent de prophète Fulgence, les Africains, quand on m'appelle, on dit, il y a un prophète congolais là qui prophétise exactement comme TB Joshua, qui est dans la guérison comme TB Joshua. Voilà un peu, c'est une référence. Vous comprenez? Qui sait si c'est la continuité? Qui sait aussi si Dieu voulait à ce que le Congolais ou l'Afrique francophone bénéficie aussi de cette grâce. Mais vous allez voir, ce sont nos propres frères congolais qui sont maintenant là en train de fouiller qu'est-ce que le prophète Fulgence avait fait dans le passé, quelle est la bêtise qu'il a eu à commettre pour aujourd'hui chercher à détruire le ministère. Vous comprenez? Ce sont nos propres frères congolais qui sont en train de chercher, moi si nezakanani, alingara fi nini fi ana boyaka. Vous comprenez? Pour chercher à te détruire. Donc ils sont en train de chercher de partout une faute pour t'accuser comme on le faisait pour Jésus. Donc c'est ça. On tue nos propres prophètes et puis parfois on sort de la volonté de Dieu, on rate la bénédiction de Dieu ou la visitation de Dieu parce qu'on cherche, il y a des gens qui réfléchissent. Ah, donc, prophète Fulgence doit voir tout ce qui se passe. Non, il y a aussi des prophètes qui voient d'autres choses. Mais, je l'ai dit devant le Dieu que je sers, les gens qui sont tout autour de moi savaient que le prophète TB Joshua allait partir. Mais je ne pouvais pas venir à la télé et dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a des saisons. Je me rappelle avec vous, Alain, papa Alain, vous êtes venu à l'église, je vous ai dit si un serviteur de Dieu, on va parler sur un serviteur de Dieu, soit son ministère va s'éclater ou c'est sa chute. C'est-à-dire, et aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Effectivement. On ne parle plus de lui. Donc, Dieu parle, on n'est pas de prophète de malheur qui ne prophétise que sur le mort, sur les choses négatives. Non.
Moi, mon problème, si cette vidéo a réapparu sur la surface, c'est pour vous dire de prier pour l'église du Christ au Nigeria. Parce que cette église sera séparée en deux. La mort de TB Joshua va séparer l'église. Il y a des gens qui seront pour lui et il y aura un camp qu'il acquisera d'être féticheur, d'être tout sataniste. Et puis, qu'il soit sataniste. Moi, j'ai reçu un appel de Nigeria. Il y a une dame qui m'a dit ça. C'est le vent actuel d'ailleurs. Il y aura même de preuves, j'ai dit ça. Il y aura des gens qui vont témoigner qu'il était vraiment sataniste. Qu'il soit sataniste, qu'il ne soit pas sataniste, il est mort. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Il sera jugé par rapport à ce qu'il avait fait. Moi, mon problème, c'est que le diable va profiter de cette occasion pour diviser l'église des Nigeria. Vous allez voir ce qui va se passer à l'église des Nigeria. Les scandales vont se suivre. Les scandales dont je parlais, je n'ai pas parlé du scandale avant la mort de TB Joshua, mais après la mort de TB Joshua. Je suis en train de voir au Nigeria. Dans Nigeria. Il y aura un scandale qui va se passer au Nigeria. Ça va toucher l'église. Et si ma ecclésia. Ça va toucher l'église. Et si ma ecclésia. Ça sera un scandale. Les vidéos qu'on a publiées, ce sont des extraits. Il y a une autre vidéo où je disais la génération va laisser la place à la nouvelle génération. Beaucoup de têtes vont tomber, beaucoup de noms qu'on a connus dans le monde spirituel vont disparaître. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de noms, beaucoup de gens vont mourir. Et c'est possible qu'on parle du 4 juillet. Effectivement, je crois que nous avons déjà consommé combien de minutes là? Parce que encore je vois pas. Prends on sait quand même s'il nous reste combien de minutes. Alors, nous prenons l'événement. L'événement, déjà, c'est tout le monde en parle, tout le monde est impatient d'ailleurs d'être dans la salle, voir le prophète. Et surtout que le prophète a dit, je vais étaler tout ce que le Seigneur m'a tout ce que le Seigneur m'avait dit. Alors du coup, tout le monde a soif d'écouter, d'entendre la suite des temps. Qu'est-ce qui va venir? C'est vrai, depuis un certain temps, nous tournons tout autour des événements. Et c'est une date qui est tous, donc nous préparons parce qu'on sera là. Venez nombreux, vous voulez passer à Kinshasa. Alors si vous êtes à Kin, profitez aussi, faites vous enregistrer. Cette fois, ça ne c'est pas pour comme l'école de guérison. Donc là, c'est pour autre chose. Je vais souligner, les gens qui s'enregistrent, ce sont les gens qui viennent de l'étranger. Okay. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas de logement ici, ceux qui viendront de l'intérieur. Et par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un qui a disposé de son hôtel et qui nous a donné quelques suites pour des invités qui viendront de l'étranger, qui seront logés là-bas gratuitement. À partir du 30 juin jusqu'au 20 juillet. Donc, vous aurez 3 semaines logées par nous, mais il faut vous faire enregistrer. Et à part ça, il y a quelqu'un d'autre aussi qui nous a donné ses appartements au cas où il y a des gens qui viendront de l'intérieur. Je dis bien Oeza Mambwa Congo. Cette histoire, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Yeah.
si sa ki kiti na yo Besi kami son zoto imona kate Pona koko lisa kondi mayabana na yo Kiti na yo wezali Ya molimo kasi ya nzoto te Eza bose wona yesu Como to amona Kiti na yo esengeli ya zala se Si ya kubonga yesu C'est l'affaire de tous parce que ça concerne le Congo. Ouais, concerne alors, on a des détails pour la Bandeko, la route à l'intérieur, la route à l'Ibanda. On va se faire enregistrer. Okay. Toi, bah, déjà, bah, cause à la, par exemple, 100. Si on a 100, moi, je peux céder ma maison à Tikeli Batundambu. Parce que je ne vais pas, ce n'est pas un truc où on court après l'argent, non. On court après la prière pour le pays. Donc, je demande même à ceux qui sont à l'intérieur. Bah, au bah, Ibanda Mboka. Et à l'oko, la prière, moi, tu as dit Congo moko. Je suis un prophète. Dieu m'a fait cette grâce de parler sur les nations. Je ne fais pas ça parce que j'ai envie de le faire. Vraiment, je demande à, parce que déjà, je demande à nos autorités, de nous laisser faire cette activité. Je sais pourquoi je dis ça. De nous laisser, de nous permettre de faire cette activité, c'est pour le bien du pays. Ce n'est pas pour que le prophète s'enrichisse, ce n'est pas pour que le prophète assa la combo. On a payé Chobez, on a payé la salle. Vous savez, ça nous a coûté combien? 4 000 $. 4 000 $, à côté, ça nous fait 5 000. Sans compter ce qu'on aura à faire d'autres. La publicité, ça nous coûte beaucoup d'argent et déjà on dépense pour ça. Et merci à ceux qui sont en train de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc laissez-nous faire ça. On le fait pour le Congo. On le fait pour nos enfants. Si nous, on arrange aujourd'hui tout au Bundana pour que Bananabi se tombe au Kola, Bakuta Congo Moussous, Bavivre Congo au Bissoto Vivate. Donc, comme je suis en train de le dire, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont à l'intérieur du pays, faites-vous enregistrer par mon numéro. Comme il y a un message prophète, je serai là dans Outa Mbanzangou. Prophète, je serai là dans Outa Lubumbashi. Et il y a même des autorités qui m'ont aussi contacté. Il y a la province, en tout cas, prophète, ce que tu fais pour le pays, que Dieu te bénisse. On cherchera à être là sur place. On sera plus, même la population sera plus, se sentra aimé et proche du pouvoir. Soba Monique, qui va représenter Mboka, Mboka, va y être au Sambe la peau na Mboka. Parce que si ce sont des concerts, si ce sont des choses, nous sommes tous, vous êtes présents. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose, Dieu m'a mis à cœur de le faire, c'est pour la nation. Alors, venez. Les gouverneurs de la ville, d'ailleurs, en passant, hier j'ai reçu l'appel d'un. J'ai eu à parler avec un musicien de la place. J'ai été touché. Un musicien au Batunios, on dirait yende ndoki, yende zombie à Congo, m'a appelé pour me dire, prophète, en tout cas, je suis avec toi. Je suis avec toi, mon groupe sera là. Moi-même, j'arrive à Kinshasa aujourd'hui. Il n'était pas à Kin, il sera à Kin aujourd'hui. J'arrive à Kinshasa aujourd'hui, vraiment, je ferai de mon mieux, en moins qu'imprévu, mais je ferai de mon mieux pour être à Chobez. Et non seulement être à Chobez, même s'il faut aller à l'Est et distribuer ses histoires, moi, je prends les risques de t'accompagner. Belle motivation. Un musicien, si vous voulez, je peux citer son nom. Mais si vous citez, comme un musicien, soit Yoki, qui voilà, soit Lobek, Ozala, Yalobia, Voyate, dans le fort Congo.
Non, non, ça, il faut quand même, nous devons arrêter avec nos, nos divergences d'idées. Ça concerne le Congo. Ça concerne le Congo. Donc, laissons quand même, on a un abisso de côté. On a un papa et l'ombe, les artistes à théâtre, papa, on a un papa et l'ombe, on a un abisso, on a un soumou de brindé, on a depuis tout à l'heure, on a un ba mama nyonso wana ba mama malosombo biso nyonso soto yé ngakuna osepela quand on vient toya tolati ba costume te toya vraiment na tenue na biso de scène tenue de scène moi ti mama malosombo soko ya lati manenga lata soki papa toki vide de loin toya na ki vide de loin voyez ce que ça va faire à la population ba moni vraiment que une prière pour la nation vide de loin yaki papa phénomène sobe Ayaki, batali mouyombe gauche, ayaki, batali nani soubaza mouebele, maman, kalunga, ayaki, papa saï saï, koutou rara la kitambo, ayaki, tu vois un peu ce que ça va faire, ça va motiver encore le peuple, ça va, et ça la biso bien, ba musicien, ba moni, ba musicien, nion sobaye. Bovan na bino sika monde peut-être ba conflit, ba rancune na bino, mais moutouna moutoye na pierre na eko bonde la, pour des viols au Isa na Est pour ba crime au Isa commis na Est toyé to sangani parce que so ba bengi bino boye manzembo lisanga pour na Est mamboye ma ele kala Est boyemba siko boya peto sambela ngana na pasteur na bengi si tous les musiciens du Congo banana papa Kofi papa nani sousnaip banana papa Wera donc maman Sylvie Sokola Ndanga solala papa aya nani sousou Fali Poupa bangonion sotoa na posa tu vois bato balanda par exemple papa Fali balanda Ferigola so ba monique Feri ayaki prière de la nation toi tu so kaza mboka tatinde délégué na mususu nani héritier en sala. Héritier derrière, on l'a déjà vu à l'église. Héritier sera là. Et héritier a déjà contribué dans mon ministère en amour. Donc c'est quelqu'un qui a un cœur pour le faible. Voilà mal qui musicien naé qui makambuna est allié. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur pour le faible. Quand je l'ai présenté la vision, il a reçu autrement. Je ne m'attendais pas à cette réaction venant de lui. Donc, que Dieu le bénisse. Je crois qu'il est dans l'avion. Nous n'avons pas pour l'Essikazali. Donc, c'est ça. Toi, on a besoin de tout le monde à Batounios. Parce que quand il y a retour parlementaire, bien que ça va musicien, on n'y a pas qu'il y a. Mais où est-ce que moi, nous avons au Linga Congo. Quelqu'un m'a dit, Mikona, moi, le batro. Tu aimes le Congo. Tu as les soucis qui guérissent là, le Congo. On a souci, toi, ma rambouté à IDPS, oh nini, t'es toi la mambo Congo. Mon des à la léopard et bêta. Biso tout se retrouvé dans le stade, les abongo. Maintenant, là, on va prier pour le pays. Que tout le monde se retrouve là, que tout le monde soit là, que tout le monde a tchalobo qu'on a pâte. Comme je l'avais dit, on a besoin beaucoup d'argent. On va faire un récolte sur place avec beaucoup de transparence. Offrande koti combien autant et koti autant tozi ba tuba voyager ba autant ba tuba kende ba autant logement na bango ok biloni to somba autant biloni ba pesi en espèces parce qu'il y a des gens qui vont donner l'argent, il y a des gens qui vont donner des choses en nature. Ok, to yoka ina ba compagnie aviation ba cargo to me ma biloko to kende ba kondi pe ba holanda biso, ils peuvent nous faciliter cela. Par exemple ba konza ba RVA wana ya ba avion. Ok, avion auto, tchabilo, nion, soyamboka. Ok, soutenir, bah toi, est. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ignorent. Moni volcan ou salami. Volcan salami, batouya, niragongo, bah viva en agriculture. Bah, comme en saison et à récolte. Volcan yé et mimignons. Tala bah pertini, bah sali. Bah pertini, ni vie loin et sali. Bah, j'ai été contacté par les gens de Niragongo. Moi, les gens de Niragongo ont na soli na bango. Le perte qu'ils ont fait. Si on les lo obamoni, groupe moi batu baoti Congo, ba kiti sur place, bamoni pasteur, musicien, artiste à théâtre, journaliste, politicien na nisus, tolongwe ma Congo, to kiti sur place na Niragongo.
batunyo se va perdre bilanga na bango totali neni to ko aider bango nakana o muki ekota soki ekota tande to kabolela mutu na mutu azwa ta $50 to kaboleli chaque famille $50 et a geste c'est le geste qui compte. Si j'en avais beaucoup, toi tu sais Alain, toi tu sais à l'église que je dirige Nangolo Nzambe, je ne sais même pas il y a combien d'enfants que moi je scolarise, qui n'a foutu la classe boy. Nazan a un mingité. Mais il y a un abattu. On a la laisse à tous les jours. J'en ai pas trop, mais la salle a un go. Sauf que la commune a un belé dans la salle en go, il est belé collègue. Vous comprenez? Vrai. Sinon, est-ce que vous avez déjà été contacté par des serviteurs de Dieu parce que vous avez aussi fait appel à Nabamouyon surtout, qui est question Bisson Sotoya. Est-ce que juste là, il y a mis quand même quelques coups de fil, il y a un serviteur de Dieu. Non, les serviteurs de Dieu ne m'ont pas appelé. Ce sont plus mes amis serviteurs de Dieu qui m'ont appelé. Les serviteurs de Dieu, et puis les serviteurs de Dieu, autour à la Kinshasa, mais moi, je vais aller déposer les invitations dans les serviteurs de Dieu. Mais là, il y a des serviteurs de Dieu qui ont sauté. Donc, il y a des gens. Peut-être je suis serviteur de Dieu, j'aurais besoin de l'invitation. Non, il y en a pas sûr. Parce qu'on veut vraiment exalter. Ah, prophète Fulgence, poni batoumaye. On veut être là avec tout le monde. Avec tout le monde, que tout le monde bato sambela pour na Congo. J'insiste pour les figures connues. Par exemple, les musiciens, théâtre, ministres. Et puis ça les sous et motiver peuple wana ba na ba goma kuna. Cette activité, je souligne, papa Alain Dele, je veux que les gens me comprennent. Aujourd'hui, si vous sortez d'ici, Kitambo magasin, si vous avez un défaut dans les autres, mingi koma ba blessé de guerre. Oui, bien. Blessé de guerre, na Kinshasa, c'est un bon nzela. Vous comprenez? Et nous, na activité, le peu qu'on va avoir, si vous avez un peu de temps par 10, on va penser aux blessés de guerre. Bah tout bandit man qui va couper pour une école. Bah qui n'a qu'à zoa massacre. Moi ça les sous, moi ça les atte. Moi $50 on a. Ou bien toi y est, tu sommes liés. Libaya ya cabine. Tu sommes liés unité téléphone vieux. Au lieu c'est un moment on zela. T'es qu'à ta crédit. Flash à ta unité. Écoute c'est là comment autant. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de le faire. Aujourd'hui il y a des familles. Papa qui n'a guerre à zongaté. Veux voir na moins parti quand na quand ils aient sauté bah expulsé na quand ana balabala ane si quand on vend daté ane loco salaté bana bakata classe bana bakomo singa mbongo na ba boulevard bana bakomo sa kindumba na butu na ba quand. Pourquoi? Parce que papa kinda et ces gens là si aujourd'hui oyé le dit bon OK ça va maman awa $100 en enveloppe ba veuve militaire au ba koufa na guerre na front. Parce que pas veuve militaire comme Mobile Nabela qui a profité. Surtout le veuve. Parce que l'activité est plus liée aux victimes de guerre. Veuve militaire, tu es au Kangi enveloppe. Ah, papa, maman, sans yango, bandata mon bon gomo au Bokolaban. Parce que Mobile n'a koufa pour na ekolo. Vous comprenez? On voit ces gens-là. On a un niveau à Kinshasa. Tout le monde à niveau Kinshasa, nous allons voir le blessé de guerre et le veuve militaire. Parce qu'on ne sait pas donner l'argent aux enfants. Surtout aussi si na bango, il y a on a besoin d'argent, il y a beaucoup d'argent. Il y a maman mon gatine Maputa, tozo Maputa na Maputa amené vraiment faut comme ati est. Tokabuela ba maman Beni wana na est. Tu vois, tout le monde na ba wa na Kinshasa, to komi na Goma, Goma kuté esima. Moi, je ne fais pas un collecte pour Goma. Goma est sima. Goma est la priorité. Donc, qui est na Beni? Beni, effectivement. Ba maman, ou ba mona bana ba mba ou tout à la libouka. Ba maman, ou ba koufa la mi bali, ba na ba massacre nyon soana. Soto qui est à la bango. To me meli bango ata ba loso, ba nini, bilo omoka bongo, to e sunga bango, ma beza api. To me meli bango ma puta, ba no to mona na ba image wana, o mona mwana o ki pasi na mutema. Si tu as dit que tu es un peu ma bezabi. Qui sait, tant que tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as donc, c'est pourquoi on a dit qu'on a vraiment besoin d'argent. Et ça va se passer vraiment dans toute transparence possible. On a besoin, comme je vous ai dit, toute ça, la publicité et l'activité au Nganabino.
Donc, tant que l'aninga yo pe beta li solo, tant que ta l'émission, au partager émission, au bate belé batala. Oza congolais na ebi tant que ta l'armamboué le kala Congo, oza libana mou ke sa la ko passe. Alors, chata lo boko. Merci pour ceux qui sont déjà en train de donner. Y a une dame, maman Tabita, excusez de citer son nom, y est a zu même envie, ba bis, au moins ba moyen de transport, na ba camp militaire nyons. Et ma maman et Abassia ba soda et tout elle s'en charge de ça ouais et zui ba tout et na bango na showbase et zui ba te même ba na showbase et puis ils ont qui ça ba tout na ba na ba camp donc c'est quelqu'un qui vous sentez que a lingi vraiment tout ça en haut dans de bonnes conditions. Il ne nous reste que 3 semaines. Alors les 3 semaines qui nous restent, yaka chalobo kono na patte et collecte générale et ça la malé 4 juillet na 4 sa showbeuse et pendant que tout sangi sa bambongo wana et on va voir délégation ya batunini bon kendena prophète ti beni tokoma beni tokoma ituri après tout ça tout sel na ba calcul na biso moi quelque chose et ti kala nde toketa la siko batu ya goma batu ya niragongo tokende pa batu ya niragongo na oye et ti kala na beni na ituri. Mais la priorité na biso c'est béni Ituri. Total la ba victime nyoso o ba côté là ba na ndaku ba tumbaka ndaku na bango misu ba bengana bango misu ba kima bazange sika olala. Donc on part vraiment tokomatiku na on va organiser une activité de prière, on va prier avec eux et puis te distribuer les bango biloko toyoka ngonde bango balala ka to ba ça sur na biso belo toyoka ngonde ngezalaka. So to yo ki ango tant to zonga Kinshasa to zasko na souci en sunga bango bien. Donc c'est un peu ça, la date est le 4 juillet, c'est un dimanche après-midi. Le 4 juillet dans la salle Showbeuse ici à côté de y a saut de mouton, il y a Sosmat, il y a Itex Africa. Showbeuse Zara, venez nombreux et les autorités qui veulent soutenir en tout cas même les autorités, tout le monde congolais nous on va soutenir yo po sepe yo tcha ba bus na yo po na mema batou nzamba zwaka lokumu donc biso nous c'est sensibiliser le pasteur, j'ai besoin de tout le monde et le musicien bande kona biso ba artiste à théâtre ba sportif ba joueur na la besoin ba toi vita na la besoin ba toi imana na la besoin ba toi mazembe tout le monde, j'ai besoin Fibo, de tout le monde voilà renaissance. J'ai besoin des Fibo, j'ai besoin de tout le monde que nous soyons là. Ouais. Que nous soyons là pour le pays. Sacrifice kaka, au sombata drapeau ya Congo, bate kala 500 francs na boulevard. To pepa drapeau amboka, to sambe la pona mboka. Et Dieu nous fera grâce. Merci beaucoup, prophète. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je crois que nous avons passé un très bon moment avec vous. Et vous avez déjà eu tout ce qu'il y a comme détail. Alors, ceux qui ont raté aussi, prophète, alors qu'on l'embatte, s'il vous plaît. J'insiste, je sais pourquoi, parce que Amoutou, il reçoit plusieurs appels, alors du coup, il ne saura pas satisfaire tout le monde. Orate prophète, benga tanga, passe-moi le message, je te dirai quoi faire effectivement, exactement pour okota en contact. Au cas où ça traîne, je sais comment est-ce que le voir, na ke natambango pour ozalape satisfaire, zalate ke non, azo boya koyamba biso, biso zo néglige. Non, il ne néglige personne. C'est juste question de temps et puis Azapé Abitio m'appelle Vélébélé. Du coup, m'appelle Azapé tellement Vélé. Et moi, il faut diriger l'église, il faut prier. Alors, il n'a pas assez de temps quand on a Yamba Yamba m'appelle Nabiso. Vraiment, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Retrouvez le prophète sur plus 243 82 50 60 70 8 à la fin. Donc, je répète, plus 243 82 50, 60, 70, 8 à la fin. Dernièrement, il nous avait demandé, ne parle pas avec les prophètes sur Facebook. Il a été piraté. Et il y a des gens qui continuent toujours à pirater le compte. Enfin, bah escroquer tout. Le prophète n'a pas d'orphelinat en Côte d'Ivoire. Encore moins au Bénin, je ne sais pas où. Non. Si vous voulez parler avec lui sur WhatsApp. Et je crois que par pour éviter, par le numéro Vodacom dont je viens de vous communiquer, donc plus 243, 82, 50, 60, 70, 8 à la fin. Donc c'est son numéro, vous pouvez l'écrire. Alors, Ayambiote insiste, au moins que Aoyambapete laisse le message.
à un moment donné, il va revenir vers vous et pour permettre à ce que yopé osolanaye tozala ebele tosunga bande konabiso. Ceci concerne tout le monde. Tu as des temps pendant kabela batubambo ngo sala mamu na bango. Investis dans musala na nzambe, c'est maintenant et Dieu va te bénir. Tu as des problèmes. Est-ce que yoko tel kamu nzambe pon nzambe akota likamuna? Donc tour oyo avant nzambe akota likamuna yo yoko tsa nzambe nanu nyongo. Donc toko tsa nanu nzambe nyongo à travers cet événement. Pour le 4 juillet, ne manque pas, ne manque pas. Koti sanza menyongo. Et te rota en retour, nani o akoti sanza menyongo, bon nzambe aboya ko futa yo. O bingo kote ko sa, parce que so nzambe pesi muke, o ndambo pesa yo, tu verras comment est-ce que Dieu va te bénir. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois un dernier message pour la bande de ko wa, basi okasyon o tala biso ou so ki zate. Bon, je bénis tout le monde, ba o ba tali biso, ba o ba langi biso. Nzamba pambola bino, comme papa Alain vient de dire, si vous m'appelez, je ne réponds pas. Netisiko, je suis en pleine émission. Les gens ont appelé aussi parce que je suis occupé. Donc, laissez un message, je rappellerai après. Donc, sinon, que Dieu vous bénisse. Il y a aussi quelque chose que vous devrez retenir. Il y a pour des gens qui envoient de l'argent. Je ne mets pas mon nom parce pour éviter les... Le prophète Fulgence soit commis la banque, commis l'Oyenge. Si je vais à Western Union, c'est tout le monde qui veut la prophétie. Donc, du coup, il y a. Tu sens seulement en contact à partir d'où on va donner moi, un nom. Moi, je vais donner un nom et quelqu'un qui fait ça. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Quand je dis non, je donne un nom, ils voient dans le nom, il n'y a pas un coup. Ah, mais comment je vais mettre. Non, ah, est-ce que c'est vraiment toi hein? Bon, c'est ça. On a un service pour aussi la transparence. Ce n'est pas moi qui collecte l'argent, d'autres personnes collectent. Et on le met ensemble, on prie, et puis on arrange ce qu'on va arranger. Et voilà, ça la publicité, la biseau, on est en retard. Panza Sango, Yebisalibo Tano, Bazanakin, va assister. J'insiste, ceux qui vont assister à l'activité vont, en venant de provenance de l'étranger ou de l'intérieur du pays. Comme la biseau poto préparer logement nayo sokyoza la logement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si j'ai dit des choses qui ont choqué, pardonnez-moi, mais sinon je vous aime beaucoup et que le Dieu que je sers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, apambola mokona moko et sika bozali au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors on se retrouve très très prochainement, bien sûr toujours avec l'homme de Dieu. Alors retrouvez le prophète, vous avez besoin de l'assister, vous avez besoin également de payer l'espace parce que j'ai toujours dit, la chaîne elle est commerciale, quand il passe, il paye. Vous avez besoin de payer pour lui, je ne sais pas, pour 10 jours, 15 jours. D'ailleurs, Tokomi Nasuka, tout le jour, prophète Alika, Katosa la paix by live. Les gens m'ont appelé pour la papa Alain, s'il vous plaît, est-ce que vous continuez sur tes lives, une nouvelle tendance, et ça à 20h comme ça. Tout sur la peine à prophète, tout mais quand même peut changer. Alors, on va préparer ça avec le prophète, mais c'est que vrai, ils ont 5 encore un mot où on a bien. Il faut tout louer matériel pour tout ça, la live. Ils ont la live, ils ont au moins tout ça dans le téléphone, non. Tout ça, la live, ils ont la cash, ils ont la bilogo, tout, ils ont la place. On a pour permettre, vous sur la peine à y, le téléphone, ils ont la ouvert. Merci beaucoup, Nabino. Et Nabandeko, vous allez soutenir. Vous allez vraiment, et bien, les hommes de Dieu, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Ok, on se retrouve prochainement. Merci à Sarive Mbala, merci à Jonan Zouzi, merci à Jordan Panzou, merci également à Patrick, merci à Rachel Mokonzi, merci Nabandeko tout. Alors je crois on se retrouve prochainement. Faites le maximum de partage. Au revoir, rendez-vous le 4 juillet na Chobez. Au revoir. Zamba yebi singai. Na fête ya Kana, Jésus a bongola ki mai vino. Kasi saliwana bato ba mona kité. Yamba soufflinga, bikenda na veni luka, na direction Birmanie, derrière maison communale Yangiringiri, ndio komuna salwana, yango na ye. Po ye, nzambe akosakate. Ponga na ebisa nzambe wana, so akosi ngana ye, tolobanate. Du nouveau à Kinshasa, Ngiringiri la tila mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très très disponible.
bien-aimés, bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Talabo que c'est Nizali, entre le fait que Naka, il y a voisin à Yoto, voisin à Yoto. Ce qui est bon, c'est que solo fait ce que ça veut dire. Il y a un peu de temps. Merci.